combien à la passer? Là, vous êtes que 4. Vous avez l'air d'être plus quand même. On dirait que j'irai comme un porc pour la faire passer. Hop, on va se rapprocher. Ils sont combien? 2, 3. Et le petit dernier. Ah bah les deux petits derniers même qui arrivent. Parfait. Il nous fait combien au village là-bas? Ils sont deux pecs. Avec les créatures. Voilà, le deuxième village est fait. Bonne nouvelle. Et on va s'attaquer au troisième. Donc cette fois-ci, j'ai la compétence d'évaporer. Vous avez découvert un nouveau pouvoir de souffle. Le pouvoir évaporer permet de faire disparaître progressivement l'eau sur la totalité de la carte pendant un temps limité. On déclenche en appuyant sur 2. Ce nouveau pouvoir évaporer permet d'évaporer progressivement l'eau présente. D'accord. D'accord, d'accord. Ils m'ont pas laissé. J'aime ce pouvoir. Vous allez tout de suite partir en direction de. J'aime beaucoup ce pouvoir. Ah! Il semblerait qu'il puisse être bloqué à cause des palmiers. Faut qu'on respire de l'eau. Trouver un petit chemin. Je vais quand même m'en foutre de l'eau au cas où. Et maintenant on va fixer l'eau. Voilà. Boum. Allez. Ouais, j'arrive tout de suite. Alors on va voir de plus près votre problème. Quand on dit que ça fixe l'eau, c'est pas des conneries, hein, ça fixe vraiment l'eau, mais qu'est-ce que tu fais toi? Du coup, ça peut devenir un peu compliqué de gérer tout ça. D'évaporer. Voilà. Là, vous devriez pouvoir passer tranquillement. Sachant que je vais aspirer l'eau ici. Il semblerait qu'il n'y en ait pas besoin. Tout le sein que vous allez voir, pouvoir passer avec le chemin que vous avez frayé. Parfait. Ah bah, j'ai fait sortir un bonhomme qui était resté coincé dans l'eau. L'histoire des pouvoirs va bien être stylée, je suis curieux de voir ce que les autres vont me donner comme pouvoir. Allez-y. Allez, encore une petite dose. Ah ouais, ouais, ouais. Et la zone devient habitable du coup. Parfait. Tac, 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 tac. Étant donné que l'eau va bientôt. J'ai terminé. Ok. Nouvelle zone de terminée. Putain, mais si j'avance aussi vite, je sens que je vais faire le map défi dans le playthrough parce que sinon il va se terminer assez rapidement. Vous allez me dire, hein, étant donné que je vais commencer un nouveau playthrough sur The Witcher et The Witcher 2. Qu'est-ce qu'ils ont à crier? C'est vraiment des incapables. Hein. Bon, 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 bon. On va figer l'eau.
commencer à vous diriger par ici. C'est bon ? Non, j'ai dit par ici. Regardez-moi cet afflux. Regardez-moi cette population qui se dirige de tous les coins du globe. Ah là là. C'est de la savoir quand même. Hein. Le problème qui vient, c'est que... Voilà. Là, vous allez passer et vous allez pas me faire chier. Ah, le problème de l'eau qui s'évapore. Vous allez pouvoir y arriver tranquillement là. Allez, ça passe tranquille quoi. Ils arrivent, c'est parfait. J'aurais encore fait le terrain plus facilement et j'aurais même sans le vouloir fait toutes les plaines. Les déserts sont vraiment simples à faire apparemment. J'ai terminé. Allez, on regarde la petite danse. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est chaud. Putain, il est mort. Le mec, il a fait suicide de l'ombre. Il a fait appel à des pouvoirs obscurs antérieurs. Une force oubliée de tous les temps. Oh putain. Regardez le niveau de l'eau, il a dépassé le truc. Oh, j'ai eu trop chaud. Oh, ce coup là. Eh bah. Bon bah le truc qui est bien, c'est qu'on a encore passé à un autre niveau. C'est que j'avance bien ce soir. Et bah dans tout ça, je me retrouve dans un autre désert. Embrasement, vous avez débloqué une carte défi. Sur cette île d'étrange arbres, le souffle de l'eau. Jadis ces anciens ont éteint les flammes et sans cesse le cycle reprenait. Là-bas, c'est également pas le souffle des plantes. What? L'arbre à feu peut être très dangereux pour vivre villageois. Il enflamme ses alentours à intervalles réguliers. L'arbre à eau, placé à proximité, limitera la propagation du feu. Cependant, l'arbre à feu a aussi son utilité. Pendant qu'il chauffe, il évapore l'eau qui passe à proximité. Ça va me faire réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que ces bestioles? C'est une végétation que les hommes ne peuvent pas traverser, j'imagine bien. De toute façon, j'ai pas envie de les envoyer là-dedans. Donc ici, j'ai quelque chose qui permet d'évaporer l'eau, de figer l'eau. Et ça, c'est le point final. Bon, allez, je vais juste je vais voir si j'arrive à faire celle-là. Là, il est minuit. Oh bon, il est minuit, ça commence à faire un petit peu tard. Donc voilà. Donc on va quand même essayer de faire ça. Voilà. Tout petit freeze. Me dis pas que l'autre est en situation d'évaporation là. Ah si. Donc faut vite que vous passiez. Comment je fais ça? Voilà. Je vais essayer d'aller là. Et si je crève, bah voilà, je te crève. Hein. Ne vous faites pas tuer, je vous en prie, ne vous faites pas tuer. Non. Vous faites pas tuer. Passe, t'as le feu au cul, mon gars, vas-y, passe. C'est bien. Par contre, j'ai pas confiance en ces plantes-là. C'est énorme comme plante. Attendez, pour vous donner une idée,
on va s'amuser vite fait à regarder la scène se passer devant ce décor hallucinant, cette musique magnifique. Je vous laisse profiter d'ailleurs d'un beau ciel étoilé. Oh, regarde George, une étoile filante. Fais un vœu. C'est quoi ce connerie? On va tous mourir. Un vœu est fait. Désolé, oui, c'est la fatigue. Je comptais en faire une nuit au départ, mais j'ai pas trouvé. Bon, bah ils sont passés de nick. Toi, tu restes calme. T'excites pas. Tu me fais pas des trucs bizarres parce que tu fais juste 1000 fois la taille de mes mecs. Bon, vous sniffez vos petits coups, puis après... qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, tu sers à rien. Je viens de m'en rendre compte. Ok, bon, ils ont un petit village en sûreté. Alors, nous avons trouvé un endroit idéal pour installer notre village. Déplacer le village en appuyant sur espace sur le totem. Puis en déplaçant son fantôme à l'endroit indiqué. Ah bon? Je peux faire ça. Eh bien, parfait. Eh bien, c'est parfait si je peux faire ça. Ça va éviter les endroits pourris. En plus, s'il y a un tsunami qui vient de ce côté-là, il n'y a pas grande chance de passer. Hein. Enfin, à moins que ça soit... non, il passera jamais. Ça passera jamais. Allez, vous êtes partis et on va déjà commencer à se concentrer sur la suite. Ensuite, ça va être ici. Comment ils vont passer? Oh, je peux faire un passage très très rapide. Cependant, il y a ces arbres de feu là, ça me plaît pas. C'est en train de brûler toute la végétation. Ah ouais, bon, bah ici, je vais pas m'occuper de la végétation parce que... ça va être une galère immense. Je pense que ça va être rapide. Ah! J'ai pas fait celui-là. Aussi, bon, bah, vous allez faire ça. Attendez. Non. X. Oh, merde. Oui. Non.